Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la rétrogradation de Vénus. Je vais bientôt commencer à enregistrer les horoscopes du mois d'octobre signe par signe. Et évidemment, comme Vénus va rétrograder à partir du mois d'octobre, je vous renverrai à cette vidéo. Si vous avez besoin de savoir comment ça peut nous affecter. Donc je répéterai pas ça dans les vidéos du mois d'octobre, ça me permettra de faire des vidéos un peu plus courtes. Alors, en ce qui concerne la rétrogradation de Vénus. Vénus rétrograde pendant environ une quarantaine de jours, tous les 18 mois environ. La rétrogradation à proprement parler de Vénus cette année, en 2018, va avoir lieu entre le 6 octobre et le 16 novembre. Alors le 6 octobre, Vénus sera à 10 50 degrés du Scorpion et elle va rétrograder jusqu'à 25 degrés 14 du signe de la Balance. Ça, c'est vraiment pour la partie rétrograde. Mais si on considère la première fois que Vénus est passée sur les points sur lesquels elle va rétrograder, il faudra donc considérer du coup la période qui va du 3 septembre 2018, c'est-à-dire la première fois qu'elle est passée à 25 degrés 14 de la Balance, jusqu'au 18 décembre 2018, qui sera la dernière fois où elle passera sur le 10e degré du Scorpion. Donc ça veut dire que finalement, c'est une période, comme je l'avais déjà signalé au mois de septembre dans les horoscopes, qui part du mois de septembre et qui se termine au mois de décembre. Donc ces questions qui vont être soulevées par la rétrogradation de Vénus, on en a déjà certainement conscience, et on en aura conscience en tout cas d'ici le 6 octobre pour ceux qui n'ont pas encore vraiment été confrontés à une problématique concernant cette Vénus. Mais bon, voilà, donc c'est vraiment une boucle assez longue finalement, et elle va nous concerner puisque c'est quand même pas tous les jours qu'on a une rétrogradation de Vénus non plus. Donc, quand la rétrogradation a lieu, en général, on la sent. Alors, du 3 septembre à la fin de la rétrogradation de Vénus, c'est-à-dire jusqu'au 16 novembre, ça va être la période la plus fragile. Ça va être celle où on va être le plus fragilisé, le plus touché par les questions. Ensuite, quand Vénus va redevenir directe, à partir donc du 16 novembre, on va passer à un autre stade, à un autre niveau. Alors, on va commencer à pouvoir faire des ajustements, à mieux équilibrer, à mieux évaluer, à mieux se valoriser. On va pouvoir être plus dans l'action par rapport à ces problématiques-là. Alors, Vénus rétrograde dans le même signe environ tous les 8 ans. Ce qui veut dire que la dernière fois que cette rétrogradation a eu lieu dans ce secteur-là de notre thème, c'était fin 2010, autour d'octobre-novembre 2010. Donc, vous pouvez revenir un petit peu en arrière pour voir ce qui s'est passé pour vous en octobre-novembre 2010. Évidemment, ce ne sera pas exactement la même chose puisque les autres planètes ne formaient pas les mêmes aspects à Vénus cette année-là. Mais déjà, vous pouvez voir un petit peu comment ça vous a affecté pour peut-être retrouver aujourd'hui de quelle manière vous êtes concerné par cette rétrogradation. Et puis, évidemment, là, il y aura quelque chose d'inédit, hein, puisque Vénus ne formera pas les mêmes aspects. Alors, dans quel domaine exactement on va être touché avec Vénus? Quelle est finalement la nature de Vénus? Vénus, vous savez, c'est le maître à la fois du taureau et du signe de la balance. Elle parle des événements qui finalement nous touchent beaucoup dans la vie. Elle parle d'amour, elle parle d'argent, elle parle de nos valeurs, de notre sécurité, de nos plaisirs,
de notre vie relationnelle, de notre équilibre, de notre vie artistique, de la relation au beau, à la douceur. Donc, elle couvre énormément de secteurs. Par ailleurs, quand Vénus passe en général dans un endroit de notre thème pendant l'année, vous avez pu remarquer que souvent, elle venait améliorer ce secteur, la maison qu'elle transite. Souvent, elle apporte, on l'appelle la petite bénéfique chez les anciens, elle apporte souvent, bon, évidemment en fonction des aspects aussi, hein, mais souvent on constate une petite amélioration dans le secteur où elle transite. Donc, une rétrogradation de Vénus, c'est pas non plus quelque chose de monstrueux qui va nous tomber dessus, ça reste quand même une planète bénéfique. Mais il y a des réajustements à faire et c'est ça qui est important parce que elle va former des aspects particuliers cette année qui vont être un petit peu des aspects compliqués, c'est-à-dire qu'il y aura moins de fluidité pendant la rétrogradation qu'il n'y en a d'habitude quand Vénus rétrograde. Alors pendant que Vénus rétrograde, qu'est-ce qui se passe? Nos goûts, nos besoins, nos sentiments, nos valeurs et même la valeur que l'on s'accorde à soi peuvent fonctionner à l'envers. C'est comme si on éprouvait le besoin dans ces domaines de changer de direction, exactement comme Vénus qui était en marche avant et qui tout à coup semble, en tout cas puisque c'est un effet d'optique, mais semble aller en marche arrière. Donc pendant ces 40 jours à peu près où elle va rétrograder, on peut exactement de la même manière avoir comme ça un changement dans nos goûts, nos besoins, nos sentiments, nos valeurs, la valeur que l'on se porte, etc. Et voir les choses d'une autre manière. On peut aussi se détacher pendant cette période-là de nos goûts habituels, de nos besoins, de nos sentiments, etc. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne à l'envers. Et c'est momentané puisque la rétrogradation dure une quarantaine de jours, après quoi Vénus redevient directe. Et là, finalement, on a un peu fait évoluer pendant cette rétrogradation nos goûts, besoins, besoins de sécurité, nos valeurs, nos besoins financiers, nos sentiments, etc. Et là, on est à même de reprendre un petit peu le cours normal des choses, fort quand même de cette réévaluation qui s'est passée pendant la rétrogradation de Vénus. Donc on peut se rendre compte que, par exemple, on a démarré, pendant que Vénus était rétrograde, une relation, et puis Vénus redevient directe et finalement on réalise qu'en fait cette relation ne nous satisfait pas. On s'est trompé sur la personne, on ne l'avait pas bien vue, il y a quelque chose qui nous embête. On peut aussi avoir par exemple utilisé de l'argent d'une manière et ne plus trouver satisfaction dans la manière dont on l'avait utilisé. On peut s'être fait couper les cheveux, un nouveau look, etc. Et là, pareil, finalement, on se rend compte que ça ne nous plaît plus. On a acheté des habits et puis, pendant la rétrogradation de Vénus, et ceci, en fait, ne nous plaisent plus. Donc, il faut faire attention à ce que l'on fait et à l'argent que l'on dépense, aux sentiments aussi que l'on a pour les autres pendant cette rétrogradation de Vénus, parce que ceux-ci sont à même à évoluer et à changer. On peut finalement rechanger de direction quand Vénus redevient directe. Donc voilà pourquoi il y a certaines choses qu'il vaut mieux éviter pendant la rétrogradation de Vénus. Après, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement négatif, hein, il faut pas non plus tomber dans le drame, mais il peut y avoir quand même, tout dépend en fait des aspects que Vénus va former à vos planètes personnelles. Parfois, il peut même y avoir des ruptures pendant une rétrogradation de Vénus. Donc, ça va vraiment dépendre du thème de chacun. Là, on parle de manière générale et après, il va y avoir ce qui est propre à chacun. Mais on parle de l'énergie de cette rétrogradation. Donc, quand Vénus rétrograde, elle est plus lente.
Elle va passer trois fois sur les mêmes points dans le thème, là où d'habitude elle ne passe qu'une fois quand elle est en marche directe. Donc évidemment, si Vénus forme des aspects harmonieux à vos planètes personnelles, vous allez profiter trois fois de ce passage. Et donc vous allez certainement pouvoir aller plus loin que d'habitude dans un domaine financier, sentimental, etc. Il peut y avoir des choses importantes qui se passent à ce niveau-là, plus importantes que quand Vénus est directe. Vénus va rétrograder dans le signe du Scorpion, pour commencer. Et dans ce signe, on sait qu'elle est en exil. C'est pas le meilleur endroit pour Vénus c'est pas le meilleur endroit, enfin l'endroit qu'elle préfère par rapport à sa nature. Ça ne veut pas dire qu'une Vénus Scorpion est une mauvaise Vénus, pas du tout. Elle a aussi des qualités, la Vénus en Scorpion. Mais disons que si on prend vraiment la valeur pure, on va dire, de Vénus à la base et ce qu'elle représente, bah, elle va pas pouvoir le vivre de cette manière-là dans le signe du Scorpion. Donc, on peut revenir dans ce signe du Scorpion qui est un signe de transformation et un peu de crise aussi, hein. Donc, on peut revenir sur certaines valeurs, sur une relation, sur un contrat, sur un achat, et on va essayer d'apporter la juste valeur quand Vénus va retourner en balance. Quand Vénus est forte dans le thème, par exemple en domicile, en balance ou en taureau, il va y avoir plus de facilité à vivre les relations si elle est en balance, à trouver des accords, des compromis, plus de facilité à vivre ses sentiments, ses plaisirs, sa créativité quand elle est en taureau. Mais là, quand elle est en exil en scorpion, il va y avoir plus de difficultés finalement à contrôler les émotions. Les émotions vont prendre une intensité vraiment importante et on va avoir du mal à les contrôler. On peut même parfois être dans des espèces d'obsessions dans ce signe-là. Et donc il y a un petit côté crise, comme je le disais, ou dramatique dans le signe du scorpion qui va faire qu'on va être affecté beaucoup plus fortement à un niveau ou à un autre. On va être plus touché par ce qui est dit sur nous, par le jugement des autres, puisque Vénus c'est aussi le jugement, par les choses qui ne fonctionnent pas sur le plan matériel, sur le plan affectif. On va être beaucoup plus touché. On va vraiment avoir l'impression d'une crise très importante, parce qu'on sera sensibilisé à tout ça, on va vivre tout de manière beaucoup plus intense dans ce signe du scorpion. Et donc, c'est un peu ça la difficulté de cette Vénus qui va rétrograder dans ce signe. Donc, on va avoir du mal à trouver des compromis, on aura un comportement un peu plus extrême sur le plan matériel, sur le plan affectif, etc. Puisque Vénus en scorpion n'aime pas faire les choses à moitié. C'est soit elle adore, soit elle déteste. Hein, il y a un petit côté comme ça assez tranché dans les goûts, les jugements, la valeur. Donc, il va falloir attendre que Vénus retourne dans le signe de la balance pour retrouver un peu d'équilibre, de justesse et dans ce qu'on ressent et dans les jugements aussi qu'on pose sur les autres ou dans les accords qu'on cherche à contracter avec les autres. Vénus en balance, qui sera encore rétrograde, elle va réévaluer les sentiments, les relations. Mais pendant que Vénus est rétrograde, on va avoir du mal à exprimer tout ça. On ne sera pas dans cette période où on peut justement vraiment rééquilibrer, vraiment exprimer les choses, les sentiments de manière diplomate ou de manière douce, etc. On va avoir du mal à être dans cette rondeur-là et on va être beaucoup plus peut-être dans une forme d'agressivité, dans une forme de tension et de crise dont j'ai déjà parlé. Alors, les effets à proprement parler. Le 6 octobre à 10 degrés 40-50 du Scorpion, Vénus entame sa rétrogradation. Donc Jupiter est encore en scorpion à ce moment-là. Donc on a les deux bénéfiques selon les anciens,
dans ce signe du scorpion, ce qui peut accroître d'un autre côté tout ce qui est passion, possession, possessivité, jalousie, avidité, sexualité, ambition, etc. On peut être dans voilà, cet excès à ce niveau-là. On a besoin de beaucoup. Et donc, on peut s'attendre pendant cette période-là à de la passion, de l'exigence, à des désirs vraiment qui nous gouvernent, mais aussi en positif à une grande créativité, une grande intensité, hein, forcément, et à peut-être aussi une sexualité ou une sensualité exacerbée. Donc après, on est dans ce climat quand même de crise dans le domaine relationnel, en tout cas un climat qui a pour but de réévaluer et de réformer les relations existantes en revenant sur celles-ci. Parce que vous avez rencontré un problème matériel avec une autre personne, un problème amoureux, enfin, quel que soit hein, tous les domaines dont on a déjà parlé, il y a voilà, cette volonté de réévaluer, de réformer, de revoir les choses. Un équilibre, on sent qu'on a perdu un équilibre en cours de route, qu'il y a un manque d'harmonie ou un manque d'équité qui doit être rectifié. Et donc, c'est ce à quoi la rétrogradation de Vénus va nous inviter pendant sa période de rétrogradation jusqu'au 16 novembre. Donc, on va sans doute revenir sur ces questions et y réfléchir profondément, on est dans le signe du scorpion. Parfois, je le disais, donc en ressentant de vives émotions, on va chercher une solution au problème et visiblement, Vénus retournant en balance, où elle va redevenir directe, signe dans lequel elle est en domicile, c'est l'un de ses domiciles, on va essayer de rétablir l'harmonie, la justesse, le lien, parfois la solution, on va essayer de trouver la solution qui souvent va résider dans le dialogue avec l'autre, hein, dans l'échange avec l'autre, un partage équitable par la discussion, puisque le signe de la balance, c'est quand même un signe de la relation à l'autre, donc on est plus dans la parole, pour pouvoir résoudre ces questions et dans le dialogue. On pourra, pendant la période de rétrogradation aussi, surtout dans le signe du scorpion, mettre à jour certains secrets. On pourra chercher aussi à rompre des relations qui ne sont pas harmonieuses ou dans lesquelles on a l'impression qu'il n'y a pas d'équité, hein. On pourra enfin être en contact avec des sentiments que l'on a au fond de soi, que l'on se cache et qu'on n'ose pas avouer et qu'on va peut-être déclarer, avouer à la fin de la rétrogradation, donc à partir du 16 novembre. On pourra aussi mettre à jour, par exemple, des tentatives de manipulation. On pourra, pour certains, entamer une relation secrète. On peut aussi avoir des personnes du passé qui reviennent sur le devant de la scène et qui nous amènent finalement à guérir cette relation du passé. Alors parfois, ça sera juste parce que on se revoit et on finit par discuter ensemble. Il y a un ex ou une ex qui nous obsédait, bah finalement, on va réussir à rétablir un semblant de dialogue ou un dialogue véritable et on pourra guérir cette relation et finalement se détacher de cette personne. Parfois, on va même passer par un relan de relation, c'est-à-dire reprendre la relation pendant la rétrogradation pour finalement conclure au même résultat. Tout ce qui est question d'intérêt aussi entre les personnes peut être mis à jour. On peut, toutes les questions d'argent, de toute façon, de mœurs, etc., vont certainement défrayer la chronique pendant cette période, de toute façon. Et tout cela parfois très soudainement ou même de manière médiatique puisqu'on va le voir pendant cette boucle en fait Vénus passe trois fois face à Uranus. Alors c'est un temps aussi qui peut se prêter puisque Vénus c'est la beauté aussi à des changements d'apparence, des changements de look, alors pour certains ça veut être aussi la volonté de passer par de la chirurgie esthétique, mais attention, je vais y revenir, surtout
pendant cette période de rétrogradation, éviter, vous pouvez y réfléchir, mais éviter absolument de faire une chirurgie esthétique, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on va à un moment donné changer d'avis et que donc on peut ne pas être satisfait au final de l'apparence que l'on a. Donc s'il y a eu transformation pendant la rétrogradation, donc il faut éviter. Donc il peut y avoir aussi des nouvelles manières de s'exprimer, c'est aussi Vénus l'art, donc on peut revenir sur une œuvre créative à laquelle on travaille et finalement trouver une autre manière d'exprimer ce qu'on avait envie d'exprimer et peut-être revenir un petit peu sur une œuvre que l'on a déjà commencé. On peut avoir envie à un autre niveau plus anodin finalement de changer les meubles de sa maison puisque c'est aussi la décoration, de changer sa garde-robe, voilà. Mais encore une fois, on peut contacter cette envie pendant la rétrogradation de Vénus, mais il vaut mieux éviter de le faire tant qu'elle rétrograde. On va se lancer dans ce relooking plus tard, après, une fois que Vénus est redevenue directe, parce qu'il y a de grandes chances, sinon, qu'on ne soit pas satisfait et que ce qu'on avait cru nous plaire ne nous plaise plus. Donc faites très attention à ça. Donc à éviter absolument du 6 octobre au 15 novembre, c'est alors un, évidemment, de se marier pendant la période de rétrogradation, des engagements trop importants, surtout dans la vie relationnelle, hein, je dirais un gros contrat, enfin un contrat, un mariage, il vaut mieux éviter pendant la période de rétrogradation. Puisque là c'est pareil, il peut y avoir un tournant du coup. Alors pas forcément quand Vénus va redevenir directe, on peut se rendre compte qu'on est plus dans les mêmes sentiments un peu plus tard même dans la vie, hein, avec d'autres transits qui viendront toucher cet endroit-là. Mais voilà, il y a moins de chances de durer pour quelque chose qui s'est déroulé sous Vénus rétrograde. On peut éviter aussi, même si c'est compliqué peut-être de débuter une relation pendant la période du 6 octobre au 15 novembre. Bon, après, c'est vrai que ça ne se commande pas, hein. Parfois, voilà, ça tombe à ce moment-là. Sauf si c'est avec un ex. Là, c'est différent. On évite, donc je le disais, la chirurgie esthétique et on évite tout ce qui est changement de look vraiment important. Parce que si vous vous achetez un nouveau chemisier et qu'après il vous plaît plus, c'est pas très grave. Mais si vous êtes refait le nez, les lèvres, les seins, je ne sais quoi encore, et là c'est beaucoup plus définitif et c'est beaucoup plus compliqué évidemment en termes de conséquences. Donc attention, surtout pas pendant cette période-là. Et on va éviter aussi les investissements, puisque Vénus c'est aussi l'argent, les investissements importants. Donc ça, c'est vraiment important parce que vous pourriez découvrir après soit que il y avait un élément que vous n'aviez pas vu et donc finalement être un peu déçu de cet investissement ou enfin voilà, il peut y avoir anguille sous roche et problème plus tard, donc mieux vaut éviter. Alors voyons maintenant les aspects que Vénus va former pendant sa rétrogradation. Donc elle va former un carré à Mars le 10 octobre. Et Mars, c'est le second maître du Scorpion où se trouve Vénus à ce moment-là. Donc, tension dans les relations. Alors ça, c'est vraiment le 10 octobre, attention, surtout pour les femmes, hein, parce que Vénus, c'est aussi la féminité, la femme, donc attention. Agression possible, jalousie, où il peut y avoir des attractions importantes mais compliquées dans un contexte compliqué. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir une forme de violence. Et attention, notamment si vous êtes natif d'un signe fixe, ou c'est-à-dire Scorpion, Taureau, Verseau et Scorpion, Taureau, Verseau et Lion. Et attention aussi, si vous êtes du signe de la Balance ou du Bélier. Et donc attention autour de cette journée-là. Le 15 octobre, Vénus rétrograde va former une conjonction à Mercure dans le signe du Scorpion. Donc c'est les mêmes qui sont concernés, hein, globalement. On peut rajouter peut-être les Gémeaux et les Vierges ici.
Et donc là, on peut avoir une petite réflexion sur ses relations amoureuses, on peut avoir des discussions dans les relations amoureuses, peut-être des négociations matérielles. C'est aussi un moment pour discuter argent, pour parler de ses valeurs, pour échanger. Le 24 octobre, là, on a un aspect plutôt intéressant, c'est le sextile entre Vénus en Scorpion et Saturne en Capricorne. Donc Saturne va un peu tempérer cette Vénus Scorpion qui est en plein climat de crise et donc va apporter de la lucidité là où il y avait vraiment passion, intensité, absence de contrôle. Là, Saturne va venir un peu poser des limites et permettre un peu plus de lucidité et de contrôle de soi. Le 26 octobre, le Soleil forme une conjonction à Vénus en Scorpion. Et donc là, on peut être dans une forme d'intégration des valeurs de Vénus. C'est-à-dire que là, Vénus est en train de rétrograder et on va intégrer finalement un petit peu tout ce qui s'est fait ces derniers temps, depuis le 6 octobre, voire depuis le 3 septembre. On va essayer de prendre en soi finalement ce qu'on a vécu et de lui... Il peut y avoir une forme de prise de conscience autour de cette journée-là. Le 31 octobre, on a l'opposition d'Uranus et Vénus, qui sera la deuxième opposition entre ces deux planètes. Alors attention, alors certes Uranus est en taureau et il est donc maîtrisé par Vénus. Donc il peut très bien y avoir un coup de foudre aussi hein, autour de cette journée-là. Mais on est plutôt quand même en période de crise, donc plutôt période de séparation, d'imprévus qui viennent un peu bouleverser la donne dans les relations affectives, de prise de décision directe, alors qu'il vaudrait peut-être mieux éviter à ce moment-là justement de prendre des décisions trop définitives. On peut essayer aussi de se libérer d'une relation qui est mauvaise pour soi, on peut même le faire. C'est pas forcément mauvais, c'est pas parce qu'on rompt que voilà, c'est négatif. Parfois, on a besoin de se retirer, de s'éloigner de certaines personnes parce que on ne partage plus les mêmes valeurs, justement, on n'a plus les mêmes sentiments, on se rend compte que voilà, la relation ne peut pas avancer plus loin, on n'arrive plus à se projeter. Et donc, ben, évidemment, du coup, c'est un bon aspect pour une séparation. Alors ça, c'est vraiment le gros niveau, parce qu'évidemment, si vous n'avez aucune planète et aucun aspect tendu sur ce chemin-là, ça va être juste une tension dans la journée, ça va s'arrêter là. Ça va vraiment dépendre de votre thème natal. Moi, je donne vraiment la partie la plus importante, la plus exacerbée de ces transits. Mais pour beaucoup, ça va se vivre voilà, de manière plus légère que pour d'autres. C'est un moment aussi où donc on a envie un peu de se détacher, de se séparer du passé. L'opposition Vénus-Uranus qui se répète quand même trois fois, hein, qui a déjà eu lieu une fois et qui aura lieu encore deux fois, commence par finalement déstabiliser les relations. Ça peut être les relations amicales, hein. C'est toutes sortes de relations, hein. Ça peut être les contrats, les relations avec n'importe qui, avec une femme, ça peut être les relations amoureuses, les relations avec sa fille, ça peut être les relations avec une associée, voilà, ça peut être souvent avec des femmes, hein, plutôt quand même. Mais en tout cas, c'est n'importe quel type de relation, hein. Sagittien, c'est pas que des relations amoureuses, hein. Donc là, on va souvent avoir des relations qui sont un peu déstabilisées, avec des tensions. Donc c'est au départ ce que cette opposition va provoquer, pour donner finalement un coup de neuf. Alors de rupture parfois et peut-être de renouveau pour certains, hein, pour qui finalement il y a encore des sentiments possibles ou une relation possible. On va un peu, d'une certaine manière, rénover la relation, on va lui donner un coup de neuf. La relooker. Donc possible que les relations amicales soient touchées, hein, comme je vous le disais, puisque Uranus représente aussi les amitiés. Donc il y a cette idée, en tout cas cet effort de renouveau, même dans la créativité.
Des coups de foudre aussi qui sont possibles hein, pour certains. Et pour d'autres, c'est toujours cette histoire de prise de conscience sur le plan relationnel, affectif, sur ce qui nous lie à l'autre, avec quand même cette notion d'indépendance. Hein. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu avec Mars au carré d'Uranus, qui nous demandait d'être indépendant dans notre action, dans notre manière de faire. Ben là, on est encore sommé d'être indépendant, mais au niveau relationnel. C'est-à-dire d'arrêter de s'appuyer sur les autres, d'attendre qu'ils viennent nous nourrir. Hein. Vénus, c'est aussi la nourriture qui nous apporte ce que l'on devrait se donner soi-même. Et donc, on est sommé d'être beaucoup plus indépendant. Donc là, c'est un peu ce qui va se passer pendant cette rétrogradation. L'important va être de s'assumer quand même, d'être responsable, puisqu'on a vu que Vénus et Saturne s'entendaient bien pendant cette rétrogradation. Donc on voit bien que si on va du côté de la responsabilité, d'assumer ses valeurs, ses amours, ses sentiments, sa relation à l'argent, etc., ben, il n'y a pas de problème en fait. Donc c'est dans ce sens qu'il faut aller, il faut bien comprendre ça. Il peut y avoir aussi des changements inattendus, alors en positif comme en négatif, au niveau des finances. C'est-à-dire une aide qui nous vient là, qui nous tombe du ciel, comme une perte aussi hein, qui nous tombe du ciel. C'est-à-dire que voilà, on s'y attendait pas et hop, on se retrouve embêté sur le plan matériel. Donc attention, parce qu'il y a quand même pas mal d'instabilité encore jusque-là. Donc, c'est pour ça que je vous disais, surtout ne faites pas d'investissement important, surtout avec les aspects que rencontre Vénus, qui sont quand même des aspects très imprévisibles. Hein, donc, attention. Le 9 novembre, on va avoir un bel aspect, qui est l'aspect de Vénus qui forme un trigone à Mars en Verseau. Alors, Vénus sera passée en balance et elle va former un trigone à Mars. Donc, on peut penser qu'il y aura plus d'harmonie, qu'on va trouver des solutions dans la relation à l'autre, des accords. Il peut y avoir, c'est un aspect en plus qui va se reproduire début 2019, qu'on va retrouver un peu plus loin, et qui pourrait permettre de nouvelles relations, de nouveaux échanges, peut-être plus vrais, plus directs. On est dans un... juste avant que Vénus redevienne directe, dans une position où on est capable finalement d'être un peu plus mature, de trouver un terrain d'entente, de prendre une bonne résolution, de trouver une solution au problème et de trouver un nouvel équilibre. Donc les personnes qui vont être le plus touchées par cette rétrogradation de Vénus, sont d'abord les natifs du Scorpion, évidemment, mais comme je le disais tout à l'heure, les natifs du Lion, les natifs du Verseau et les natifs du Taureau, surtout du premier décan ou qui ont une planète ou un point important, l'ascendant par exemple, sur le premier décan d'un de ces quatre signes fixes. Ça va être aussi évidemment les natifs de la Balance et. D'une certaine manière, on pourrait dire aussi, oui, j'allais dire les natifs du Verseau, mais de toute façon, voilà, on a parlé des signes fixes. Donc voilà, ce sont les plus touchés. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde va recevoir ces aspects dans son thème et vous avez peut-être une planète sur ce chemin-là, donc dans les 10 premiers degrés, notamment du signe du Scorpion et les 5 derniers degrés du signe de la Balance. Ou des aspects à cet endroit-là. Alors ceux qui ont des bons aspects, harmonieux, etc., ben, ça va être plus simple pour eux, hein. Ça va être même certainement une période d'abondance qui va pouvoir être... va pouvoir démarrer à partir du moment où Vénus va redevenir directe. Donc il y aura eu, comme pour tout le monde, des réajustements, etc., tout ce que je viens de dire, mais avec des résultats vraiment intéressants au bout du compte. Et pour d'autres, ça va être, parce que c'est plus tendu, bah, cette obligation d'une certaine manière d'aller vers cette indépendance et de passer par ce climat de crise et de rupture. Mais c'est pour un mieux, hein. Vénus, elle apporte du bien, elle apporte
apporte à la fin de la douceur, elle apporte quand même quelque chose, hein, c'est le cadeau. Donc c'est pas pour un. Je pense que ceux qui de toute façon traverseront ce climat de crise, etc., se rendront compte à la fin que c'est pour un mieux. Donc on n'est pas non plus dans le catastrophisme. Attention que je ne lise pas ça après en dessous, parce qu'au contraire, même si on est dans un climat tendu, de toute façon on n'est pas dans le monde de oui-oui, hein. Il y a souvent des fois des accros, hein, qui nous permettent, ou des changements de direction, etc., qui nous permettent aussi de nous ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est ça aussi l'opposition Vénus-Uranus, s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Il y a autre chose qui nous attend derrière. Et ben parfois, ben parce qu'on résiste, ben ça se fait de manière un petit peu plus active, un peu plus brutale. Ça nous donne cette impression-là, mais c'est pour un mieux. Donc voilà, si vous avez envie de partager votre expérience de cette rétrogradation à partir du 6 octobre, bah, n'hésitez pas. Et même après, les résultats, les bénéfices que vous aurez reçus de cette rétrogradation, c'est intéressant justement de ne pas voir seulement la période de crise, mais de voir aussi finalement les prises de conscience qu'on peut avoir une fois que Vénus redevient directe, et puis surtout ce qu'elle nous apporte et à quoi on ne s'attendait pas, parce qu'il y a beaucoup de surprises ici avec l'opposition Vénus-Uranus. Donc on peut être surpris vraiment très favorablement aussi, malgré tout. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour les horoscopes du mois d'octobre, et puis je vous souhaite une très belle Vénus rétrograde. Au revoir.